Aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire du néant. À une époque dont aucune créature mortelle ne peut se rappeler, l'univers et la vie naquirent. Le système solaire et les galaxies se formèrent. Et parmi eux, un dragon stellaire dont l'objectif était de façonner les étoiles fit son apparition. Aurélion seul. Le néant, quant à lui, est l'absence d'existence. Il possède une faim insatiable. Et les êtres appelés veilleurs errent dans cet espace. Ces créatures ne connaissaient ni les raisons de leur existence, ni celles du néant. Et leur but ultime est de détruire tout ce qui existe. Runeterra, de son côté, est formée du royaume physique et du royaume spirituel. Et les veilleurs se réveillèrent lorsque Runeterra apparut. Lysandra pouvait voir à travers les visions des autres, et elle décida de marcher dans les rêves. Elle finit par voir ce qui se trouvait sous Runeterra, le néant. Les veilleurs lui parlèrent dans ses rêves et lui promirent que le néant permettrait d'ouvrir des portes beaucoup plus grandes aux mortels. Elle accepta de faire un pacte. Il devait soumettre Runeterra à la venue du néant. Les veilleurs transformèrent les humains de Freljord en sublimés, et les trois sœurs, Avarossa, Lysandra et Cérilda, devinrent les chefs de ces derniers. Elles reçurent la magie et l'immortalité, mais à un prix fort, leur fidélité éternelle. Grâce à de nombreuses conquêtes, ils construisirent tout d'abord une grande civilisation pour les veilleurs, puis un empire. Elles dominèrent Freljord. Cependant, Avarossa ne supportait pas leur situation de servitude. Après avoir convaincu ses sœurs, ils se soulevèrent contre les veilleurs afin de retrouver leur liberté. Et afin d'ensevelir les veilleurs, Lysandra dut faire un sacrifice. Elle lança un sortilège, condamnant de nombreux sublimés, les Yétis ainsi que ses sœurs, et ces derniers furent enfermés à l'intérieur de l'abîme hurlant, par une barrière de glace, protégée par 9 sourds uniques, et rien n'est censé la briser. Afin de cacher ses erreurs passées, Lysandra a réécrit toute l'histoire de Freljord. Et si des gens osaient parler d'une éventuelle réincarnation de ses sœurs, ou encore de l'existence des veilleurs, elle les faisait exécuter. Mais les veilleurs ne viennent pas de ce monde, et ils arrivent petit à petit à faire fondre la barrière de glace. De plus, n'ayant aucune notion du temps, ils ont une patience infinie. Lysandra descend régulièrement dans l'abîme, afin de consulter les rêves des veilleurs qu'elle a endormis. Et ceux-ci rêvent de détruire le monde. Dès qu'un d'entre eux se réveille, celui-ci est transpercé d'un pic de glace afin qu'il ne puisse plus bouger et qu'il ne puisse plus continuer à faire fondre la barrière. Plus le temps passe, plus les sceaux commencent à faiblir. Lysandra craint le retour des veilleurs et ce n'est qu'une question de temps avant que ces derniers arrivent sur Runeterra. La ville d'Icassia était sous domination chourimienne. Ne supportant plus l'oppression subie sous ce règne, ils se rebellèrent afin d'obtenir l'indépendance. Une lueur d'espoir apparut pour les Icassiens, lorsque Jax, faisant partie de l'ordre des Kohari, décapita un des transfigurés, leur montrant que ces dieux guerriers pouvaient être tués. Tous les serviteurs de l'empereur furent poursuivis et tués, et un nouveau roi mage se leva avec son ordre de guerriers Kohari reformé. Afin de stopper l'invasion, l'host des transfigurés fut appelé, et Shurima envoya 9 de ses plus puissants dieux guerriers. Le chef Setaka, Nasus, Shabeke, Shabaka, Atrox, Danari, Enakai et 2 anonymes. L'Empire envoya également sa vaste armée sur Icassia afin de les écraser et de montrer l'exemple. Les transfigurés réussirent à réprimer la rébellion en massacrant tout être s'opposant à eux.
Les Icaciens firent appel au néant par le biais d'un artefact qu'ils avaient trouvé, mais ne surent pas contrôler la puissance de cette arme du néant. Avec une explosion, une grande faille s'ouvrit et des arcs d'énergie pourpre se déchirèrent dans le ciel, et la cité d'Icacia fut entièrement détruite, emportant un grand nombre d'Icaciens, de Chourimiens et de Transfigurés. Les hommes et femmes furent balayés, les corps se désagrégèrent, et pendant ce temps, de nombreux gouffres s'ouvrirent dans le paysage. Les murs d'Icacia furent brisés, les tours et palais furent engloutis, il ne restait que des décombres. Tous les veilleurs n'eurent pas le temps de passer, certains étaient restés dans le néant. Ils corrompirent la matière organique de Runeterra et conçurent leur propre forme de vie, appelée les Néantins. Ils ne peuvent pas entrer dans le néant sans se faire détruire, et vont par conséquent près des failles pour transmettre les informations et les connaissances qu'ils ont réussi à collecter sur Runeterra. Plusieurs failles du néant s'ouvrirent à Runeterra, donnant naissance à des créatures qui n'étaient pas destinées à parcourir le royaume des mortels. De nombreuses ruptures du néant ont surgi dans les profondeurs des océans et mers de Runeterra. Quelques ruptures dans le néant virent le jour dans Freljord lors des premières interactions entre les Veilleurs et Runeterra, et le garde du givre surveille la prison des Veilleurs et seules quelques zones sont restées corrompues. Aux abords d'Icacia se trouve la rupture, zone où le néant éclata du plus profond de la terre. Les terres autour de la ville d'Icacia devinrent des terres désertes et Icacia fut condamnée. Des Néantins élirent domicile dans tout Shurima et les Transfigurés combattirent pendant des années la corruption du néant, mais de nombreux mortels et dieux guerriers moururent. Aucune magie connue permet de sceller les failles du néant. Par conséquent, la seule solution actuelle est d'assécher le néant avec du sel. Des mortels ont tenté de s'aventurer dans le néant, mais n'ont pas survécu ou n'en sont pas ressortis sains d'esprit. Toutefois, deux êtres réussirent à conserver leur raison, Kaïssa et Kassada. Certains néantins tels que Shogat, Kogmo, Vel'Koz, Rek'Sai et Kha'Zix, n'ayant pas de conscience propre, consument la réalité et restent fidèles à leur maître, les Veilleurs. Mal'zar, qui fut un premier essai du néant et qui fut corrompu par celui-ci, possède la puissance du néant et y garde une partie de sa conscience. Son but est d'ouvrir des failles pour permettre à l'énergie du néant de venir sur Runeterra. Mais sa puissance n'est pas suffisante actuellement pour ouvrir des failles assez grandes pour que les Veilleurs passent. Mais réussira-t-il à libérer ses Veilleurs de l'abîme hurlant? Et pour cette vidéo, je tiens à remercier deux personnes. Tout d'abord l'ambassadrice Furia et le détenteur de la chaîne YouTube Lemip Vagabond, qui tous deux m'ont aidé à vérifier la véracité de ce que je vous racontais. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir la chaîne YouTube de Lemip Vagabond. Il parle également du lore, mais c'est un format plus court. Pour le prochain giveaway Link Partner, je ferai comme pour une guerre sentinelle, c'est-à-dire que j'en ferai gagner 3 dans les commentaires. Si j'ai pas sorti d'autres vidéos d'ici là, je prendrai dans les commentaires de cette vidéo. J'espère que cette toute nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à la liker, à la commenter. Tout ça m'aiderait beaucoup pour le référencement. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.